est là. On a déjà changé la DDS sans sous-effectif. Madame Ponce, Madame Dornès, les gars, c'est votre maladie, je pense. J'ai commandé le soleil. Non, c'est meilleur. Nous attendent, c'est bien. Et je m'occupe en direct de la politique de la ville. Et donc, l'arénerie, Bellefontaine sont des quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Et donc, naturellement, c'est ici que je vais d'abord, mais j'irai dans d'autres quartiers ensuite. Je vais aller au centre-ville, je vais aller à l'Ardenne bientôt, de manière à aller dans tous les quartiers de Toulouse et tous les types de quartiers. Je crois qu'on passe au centre d'animation après. Hein. On a une petite réunion de travail avec les bailleurs sociaux, donc on va faire le point sur les problèmes du quartier, les projets pour le quartier. C'est important que tout le monde se coordonne. Alors on est très attaché à la notion de la mixité, effectivement. C'est un des gros enjeux effectivement, de ce quartier. La question du statut de l'occupation du logement est la seule chose qui peut bouger dans le temps. Le bâti, il est construit, la qualité du bâti aujourd'hui. Les projets dont on parle depuis quelques années vont voir le jour. Nous allons démarrer ici la construction d'un nouvel immeuble avec au rez-de-chaussée le centre social, la maison des solidarités du conseil général. Donc on va mettre ensemble des services à caractère social qui sont évidemment très importants dans un quartier comme celui-ci. Nous allons ici construire de nouveaux logements, des logements neufs par définition, des logements moins hauts. Beaucoup plus agréable, avec une diversité, avec des locataires classiques, je dirais, avec des logements sociaux, avec également de l'accession à la propriété et de l'accession sociale. Voilà, on va essayer de mixer et de recomposer une nouvelle place. Qu'on a doublé cette année avec un espace à côté. Je ne vais pas faire d'annonce dessus. Hein. Ah oui, certains soirs, c'est tellement fréquenté que... Voilà. Donc c'est vraiment... Alors là, les personnes payent une cotisation de voilà, combien les personnes payent 66 euros à l'année. À l'année, oui, voilà. C'est avantageux. Oui, c'est... Il y a des gens qui ne savent pas lire le français. Alors, il faut qu'ils prennent rendez-vous dans... Nous avançons avec l'État. En matière de sécurité, par exemple, le rôle de l'État est fondamental. Donc mon rôle à moi, comme maire de Toulouse, c'est de travailler avec l'État, de dialoguer avec l'État, de répercuter vers l'État, vers la police nationale, ce que j'entends ici. Les besoins des gens. Les jeunes, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de beaucoup de choses. Quoi. Il n'y a pas de, il y a rien, ils n'ont pas de métier ni rien. Ils ont pas, il y a pas, la maison des jeunes, elle ne prend pas des jeunes, ils n'ont pas de foyer ici pour se distraire, ils n'ont rien. Quoi. Il n'y a même pas des cafés. Quand on sort de chez nous, on reste là, on est à la retraite, alors on reste là, on n'a rien à faire. Hein. On tourne, on rentre jusqu'à midi, on rentre manger, et puis voilà. Il n'y a rien à faire. Hein. Sur les questions de l'emploi, il y a un certain nombre de dispositifs de retour à l'emploi, de formation. Notre rôle, c'est de permettre aux gens d'y accéder, de leur donner l'information, parce que je me rends compte que souvent, les personnes concernées qui sont en panne du point de vue de l'emploi, elles ne savent pas où s'adresser. Je dis ici souvent que je ne peux pas embaucher tout le monde à la mairie. Je crois que les gens le comprennent, cela. Pour autant, il faut les aider à aller vers des dispositifs de l'emploi qui sont complexes et méconnus. J'ai dit à M. le maire qu'avant, il y avait tous les magasins, on avait restaurant, on avait tout, au bord du lac, on avait magasin de vêtements, on avait boîte de nuit, on avait tout, et on n'a plus rien. Comment se fait-il? Alors, c'est pas normal. On a voté sur lui, hein. On est dans le quartier, vous voyez, toujours. Le quartier, ça va, non, ça va. Moi, j'habite à Bagatelle, mais ça va très bien. J'ai pris l'habitude et puis ils sont tellement gentils les pharmaciens là. Quand j'ai besoin d'un médicament, ils me l'avancent, alors donc je suis obligée. J'habite à côté des douanes là-haut. Et je me fais un plaisir de traverser le parc tous les jours et de venir faire mes courses ici. C'est un quartier très agréable, très divers. Nous avons l'église, je suis catholique et l'église est à côté. Et nous avons une population très diverse, bien sûr. Et on est bien accueillis ici, on est plein d'amis. Ben là, il y avait des personnes qui attiraient mon attention sur le côté insalubre de leur logement. Et donc on a pris les coordonnées pour contacter le bailleur social et vérifier l'état du logement de la personne. Il y a des démolitions qui ont été effectuées. Il faut maintenant qu'il y ait des reconstructions. On avait dit qu'on construirait moins haut que ce n'était avant, donc ce qu'on va reconstruire sera évidemment totalement moderne, mais à taille humaine,
Ça veut dire aussi qu'on va renforcer les équipements publics et puis qu'on va aménager les espaces publics. C'est un endroit où il y a pas mal de jardins, il y a pas mal de végétal, et donc ce patrimoine végétal, c'est un atout, mais il faut le conforter, il faut l'entretenir, il faut le développer. Les gens sont demandeurs d'une relation directe avec les élus, avec le maire. Ils nous parlent des petites difficultés du quotidien qui empoisonnent la vie, des questions de tranquillité publique, des questions de sécurité, des questions parfois de vente illégale à proximité des commerces. Toutes petites choses qui s'accumulent et qui empoisonnent la vie des gens. Il y a eu un moment dans la journée où, avec ma collègue, avec mes collègues, nous sommes allés voir les responsables de la police nationale pour leur dire un peu ce qu'on avait entendu. Moi, si je suis ici, c'est parce que je ne veux pas m'enfermer au Capitole et je veux que le lien que nous avons tissé ces dernières années, ces derniers mois, avec les Toulousains, dans tous les quartiers, ce lien-là, il soit entretenu.